savez que Pamela c'est une femme. Elle rajoute toujours la vérité. Bah bien sûr. Et ouais. Et ouais. Bon allez, c'est parti pour les pervers de la semaine. Alors on a nos pervers à écouter ce soir. On va les retrouver avec nous. Ils ont laissé des messages sur le répondeur de Pamela. Oui. Pendant toutes les vacances. Oui. Tu sais qu'il y a eu beaucoup de succès pendant toutes les vacances, Pamela. Ça m'étonne pas, comme toute l'année. Oui. Samy, j'ai pas les pervers d'ailleurs, tiens, je te le dis. Jour numéro 6, cartouche 110. Ouais, mais c'est pas la bonne. Ah, ils sont pas? Non, ils sont pas. Ah merde, 10 full 1. 10 full 1. Ouais. On parle avec des codes. Ah, j'ai pas 10 full 1 ici. Ah putain, vas-y. Alors, attends. Vas-y, Romano. Romano, tu les as? On met les pervers. Attends, je vérifie. T'as dit dans un dossier caché parce que Cédric il les récupère. Son du jour 1. Son du jour 6. 10 full 1, 110. C'est nos petits codes pour ranger dans les ordinateurs les pervers de la semaine. On les planque. 110. Non, je sais pas, non. C'est pas ça. Ah, attends, si, peut-être. Attends, c'est... On cherche dans l'ordi nos pervers, hein, attention. Attends, je vais mettre... Dès que vous voyez un mec qui se branle, c'est que vous êtes dessus. Il y a écrit pervers et il y a la date, Romano. Ah non, mais c'est pas ça, non. Attends. T'es sûr que c'est en 10 full 1? Ouais, bah ouais, j'ai même fait une photo, j'ai un screen et tout. Bah, sans du jour, non. Mais 10 full 1, sans du jour. Non, moi, j'ai pas les pervers, non. Moi, j'ai d'autres trucs, moi. Ouais, moi aussi, oui. J'ai banane sauce. Non, c'est pas ça, ouais. Attends, vas-y, je vais te les déplacer, t'inquiète. Non, mais mets-les à la bonne place, Sabi. Ouais, vas-y. Bon, alors, les pervers, on va les retrouver dans un instant. Pamela, comment se sont passées les vacances, d'ailleurs? Bah, écoute, j'ai passé l'été en bikini. Ouais. Sur la baie des cochons. Ouais. Je suis parti juste avant. Ah, tu m'as vu? Oui, évidemment, je l'ai vu, oui. Voilà. Je me faisais promener en laisse le soir. Alors, tu sais que j'ai serré 14 lesbiennes. Ah, mais ça m'étonne pas. Près, ouais. Tellement tu es séduisant. Ouais, ouais, évidemment. 14. En fait, tu mens toujours. Non. Jamais, non. Bon, et donc on est en train de draguer en même temps sur les réseaux. Est-ce qu'on a les photos là? Ouais, tiens, un paquet de beats qui sont arrivés, je te le dis. Et ils sont chauds ce soir. Hein. Si vous cherchez, c'est un truc de fou. Si vous cherchez de la beat, je vous le dis, hein, vous allez sur les Cédric, réseaux ce soir. Rends les photos de beats. Non, c'est Karim qui les a. Non, tiens, mais faut me les rendre après Difool. Parce qu'il y a les numéros dessus pour que je les appelle. Ah, ouais, les numéros des beats. D'accord. Parce que je lui ai demandé de me les garder. Et une beat, James, qui a une toute petite beat, James, elle est grande comme son doigt, comme un. Comme son... c'est quoi? C'est un index. Regardez la bite... Non, faut pas voir, pourquoi je te demande, moi? La bite, bah tiens, regarde, non, Karim. Bon, fais-toi plaisir. Ah, Fabrice, lui, il est un peu mieux... Mais les mecs n'envoient que des photos de bites. Ouais. Théo, du 31. Oh, ça dépend des bites. Ah, lui, il est une bite... tout excité. Il a une bite toute ridée, Théo, du 31. Faudrait qu'il la repasse. Ah, immonde. Putain, avec le flash. Faudrait qu'il la repasse un peu. Ouais, il faut qu'il la repasse, elle est toute ridée. On a des belles photos de torse, un mec tranquille. Bon, vous voulez de la séduction, vous voulez de l'amour, bien Pamela s'occupe de tout dans un instant sur Skyrock avec donc les pervers à écouter. Oh, le mec il a pas un poil sur le caillou, par contre il a des sourcils qui font 10 cm de large. Regarde la gueule. Oh putain. T'aimerais pas l'avoir dans ton lit. Il a un nez de cochon. Et il a 2-3 mentons quand même. Ouh, et là on a un beau gosse, Jackie. Il porte bien son nom d'ailleurs. Jackie en débardeur. Ah, Jackie, puis tu vois qu'il suce pas de la glace. Le mec a des varices sur les joues. Ouais. De la coupe rose, tu veux dire. Le mec, laisse tomber. Le mec, il doit se taper la gueule au vin rouge. Le mec est tout, est tout rose là. Bon, voilà, donc on a ce qu'il faut. Ah. Tu vois, Pamela arrive et le chien se déchaîne sur la bouteille. Même le chien est excité. Bon, vous avez les... on n'a pas les pervers. Hein, ouais, dans une minute, c'est bon, t'inquiète. Dans une minute, c'est bien. Bon, on va les écouter. Ça nous laisse le temps d'écouter Cédric, là, avant de retrouver les pervers de Pamela. Cédric, en direct de Marseille. Salut. Pamela. Bon, Samy, j'ai pas les... Je les ai. Tu les as trouvés? Si, c'est bon, ouais. Oui, ça, c'est bon. Alors, juste, je vais laisser faire Romano, car avec mes 3 doigts, j'ai un peu de mal. Alors, on y va, parce qu'il est 23h56. Bon, je vous l'annonce, j'avais promis un double appel avant la fin de la Radio Libre. On n'aura pas le temps, mais rassurez-vous, on se rattrapera la semaine prochaine. Voilà. Et puis, donc, les pervers de Pamela, c'est parti. Alors, je vous fais écouter le premier. Vas-y, Pamela. Allez. Vas-y, beauté. Ils ont laissé des messages tout au long de cette semaine sur le répondeur de Pamela. On a qui? Le premier, c'est Mehdi. Mehdi. Oui, salut Pamela, c'est Mehdi. Bah écoute, mon numéro est 06 62 50. Je reste disponible, va pour engager la discussion, puis voir si effectivement il y a affinité, pourquoi pas aller plus loin à la recherche donc d'une partenaire sexuel sans tabou et très discret. Voilà, bah écoute, au plaisir de faire ta connaissance.
À très bientôt. Ma il a craqué. Ma petite chatte. Chatte sexuelle. Elle se lâche à la fin. Il a craqué sur ta voix. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Pamela. C'est beau. Il y a de quoi craquer sur ma voix. Quand t'entends cette voix magnifique, tu te dis comment on fait pour pas craquer. Il a craqué. Mais moi, lui, au moins, il est cash. Ouais, ouais. Non, mais puis bon, il a pas une voix trop dégueulasse. Tout ça, il a l'air plutôt sympa. Bon, lui, c'est Mehdi. Ok, la suite. Alors, le deuxième n'a pas de prénom. Ah, bah, c'est con, ça, tiens. Oui, bonjour, je suis Claude. J'aime porter les collants, donc je voudrais faire des rencontres. Ben écoutez, appelez-moi, mais plutôt laissez-moi des SMS. Donc et voilà, donc mon numéro c'est le 06 18. Je porte des collants. En plus c'est bien Claude, c'est la saison. Oui, c'est vrai. C'est la saison des collants. À fin août là, c'était en plein vent. Un petit collant là. Ouais, pour aller à la plage. Masque et collants, c'est pas mal. Pas pour aller à la plage. Ah ouais, Claude, sexy Claude. Il doit être sexy Claude avec la voix qu'il aura avec ses collants. Alors Claude, tu le gardes, Pamela, il t'a excité. Ah oui, terriblement, oui, les collants, j'adore. Je lui mettrai sur le visage s'il est trop vilain. Oui. Alors le troisième. Le troisième, c'est Thierry. Titi. Oui, bonsoir, c'est Thierry, 45 ans, 18,5 par 5. Je me permets de vous téléphoner concernant votre annonce sur Viva Street. Voilà, j'ai 45 ans, bien monté, relativement disponible le soir après 20h. Vous pouvez me joindre au 0670. Non, Bobo n'est pas là. Merci. Ouais, après 20h, ma femme part travailler. Oui, elle travaille de nuit. Ouais. Ouais, ça m'arrange. Comme l'autre d'avant, le Claude avec ses collants. L'autre, elle lui envoyait plutôt des SMS. D'ailleurs, Bobonne à la maison. L'autre, il doit se mettre le collant quand elle est pas là. Elle est ignoble. Non, il doit lui prendre ses collants. Non, mais on avait calculé l'année dernière. Il y a à peu près 9 mecs sur 10 qui sont en couple. Hein, sur, les filles, désolé de vous dire ça comme ça. Mais ouais, mais c'est vrai. Faut mieux être prévenu. Mais il y a au moins à peu près 9 mecs sur 10 qui sont en couple. Ah oui, bien sûr. Un autre, allez, c'est parti. Allez, fais péter. Ça nous a interpellé, moi et ma copine, donc on voulait bien partager un bon moment ensemble. Donc si vous avez notre message, essayez de nous contacter sur 06 03. Il baiser avec sa meuf. 10. C'est pas qu'il baise mieux qu'il parle, hein, parce que sinon. Le profil de Pamela les a interpellés, lui et sa copine, sur un site. Ils veulent faire un plan en 3 avec toi. T'as compris tout ça. Toi. Ah ouais, bah attends, le cerveau en marche. Ah putain. Ah oui, c'est dingue ça. Oh, ouais, bon, moi je dors. Ah lui, il est pas mal aussi. Non, je dors pas. Non. Voilà, je dors pas, voilà. Je dis toujours la vérité. Bah, c'est vrai, je dors pas. Alors, attention, ouais. C'est dingue, Cédric, coupe ton micro, moi, quand tu danses. Moi, non, je dors pas. Cela, on va écouter Valentin, un autre pervers. Vas-y, Valentin. Valentin de Paris appelle une femme canine pour un dialogue plus au 06-71. Ah, il a une voix de parisien. Mais il veut pas dire une femme cabine. Non, non, une femme cabine. Une cabine. Putain, j'ai compris une cabine. Non, ah bah vous. Ah, j'ai compris une cabine, moi. Je me disais, le mec, tu veux une femme dans une cabine. Les pervers s'expriment très très bien. Eh bien, on associe à appeler, plus ceux qu'on est en train de draguer, on s'en occupe dans un instant. Plus toutes les tubes qu'on a récupérées, on les appelle dans un instant. Cédric, faut rendre les photos. Ouais, c'est Karim qui les a. Oh là, c'est pas moi qui les ai. Ouais, non, pas du tout. Je dis toujours la vérité. C'est la vérité, gros. Ah bah ouais, regardez. Il a toutes les photos de bits sous les yeux. Ouais, j'adore. Et enlève les mains de ta culotte. Ça devient très gênant. C'est un caleçon, c'est pas une culotte, mais j'ai pas les mains dedans. C'est gênant. Allez, on vient tout de suite sur Skyrock et on écoute la bande organisée. Voilà, allez, la belle. C'est l'heure de la belle, c'est l'heure de l'amour, c'est l'heure de retrouver nos pervers. Allez, vas-y, Pamela. On a sélectionné qui là alors? HXXXXX. Alors lui, c'est celui qui a une bite chelou. Ah, c'est la bite ridée. Ouais. J'étais sûr qu'elle vous plairait celle-ci. Elle est très pointue, je trouve. Et puis il y a ceux que. Sur le tutu. Il y a ceux qui ont laissé des messages aussi sur le répondeur de Pamela qu'on a écouté. Allô? Allô? Allô, HXXX? Il a coupé le bâton. Ah, il a raccroché HXXX. Il a sa bite ridée. C'est pas grave, on appelle James. Il a envoyé sa bite aussi. Ah, lui aussi. En fait, le nombre de mecs. James, il est torse nu. Félix Perra. Oh, merde. Il n'est pas disponible pour voilà, Félix Perra. C'est le Félix Parra. Donc le mec est à l'armée, là. Félix. On appelle Fabrice. Allez, on appelle Fabrice. Allez, Fafa. Allez, Fabrice. Donc ça, eux, on les a dragués. Elle est bien droite, sa bite. On les a dragués en direct. Oh ouais, elle est bien droite. Allô? Ouais, Fabrice? Ah non, vous devez faire erreur. Ah, c'est pour... je t'appelais pour le message que tu m'as laissé, là, sur le réseau. Mais vous devez faire erreur, excusez-moi, non, discutez sur le chat, là, j'ai envie de me caresser la schneck. Ah ben non, pas du tout. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, peut-être. Ah non, si, c'est bon. Ah bah alors, voilà, on peut discuter un petit peu et...
Et vous devez faire erreur, je sais pas, mais moi, je sais pas le numéro, qui vous a donné le numéro, bah, mais... Qui m'a donné le numéro, je l'ai pas chié tout à l'heure, hein. Je veux dire, à un moment donné, moi je voudrais me caresser la moule. Ouais, c'est ça, allez. Eh oh, parle pas bien, les fouilles. Allô, Fafa. Tu l'as coupé le man. C'est sûr que t'es pas trompé de numéro. Non, non, même pas, j'ai vérifié. T'es sûr? Non, mais ouais, parce que le mec, il avait l'air... Tiens, je te passe sur cherche femme discrétion. Ah, mais il dégoûte, mais putain, putain mais il est debout, il bande. Ils sont pas des photos comme ça. Eh, je vous mens pas, mon loup. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir, c'est Pamela. Pamela? Ouais. De Toulouse? Exactement. Bon, qu'est-ce que tu fais de beau? Ah, là, je suis... Je suis dans mon lit et j'ai envie de me caresser grave là. Ah bon? Ah ouais. En plus t'as une belle voix, ça va m'exciter ça. Ah. T'es toute seule? Ouais, je suis toute seule là, je suis à l'hôtel. T'es à l'hôtel? Ouais, parce que je suis en shooting, je suis modéliste dans la mode. Et tu as pas d'homme avec toi? Ben non, parce que je suis venu sur le coin là pour... quelques jours pour faire des photos et puis après je repars quelques jours et puis je reviens après. Et tu aimes ça, faire l'amour au téléphone? Ah ouais, j'adore. T'es comment là? T'es à poil? Oui. Ouais, moi aussi là. Et t'as pas de caméra? Ah non, malheureusement non, parce que là j'ai un téléphone tout pourri parce que j'ai cassé le mien. Bon, et tu fais que le sexe au téléphone? Non, on peut se voir un de ces quatre. Hey, j'entends des voix derrière toi. C'est la télé. Mmh. Attends, je coupe le son. Non, je coupe le son. Voilà. Ah. T'es sûr que t'es pas avec des hommes? Ah non, je suis toute seule, là, j'ai envie de me caresser. Tu ferais quoi là si j'étais à côté de toi? Ah ouais, je te ferai l'amour, ça fait le même. Ah bah si, détaille un petit peu, comment tu me préparerais pour faire l'amour? Je te ferai des bisous sur les seins pour commencer, puis je descendrai doucement. Ah ouais, vas-y, caresse-toi. Je me caresse, oui, si tu vois dans quel état je suis. Ah, elle est bien raide là? Oui. Ah, tu peux pas la taper sur ton téléphone que j'entende bien là, ta queue? La taper? Ouais, quoi, la taper là? Ah ouais! Et tu peux la voir si tu veux. Ah ouais, mais j'ai pas de téléphone malheureusement. Pardon? J'ai pas de téléphone machin là avec le Visio. Mais avec quoi tu téléphones là? Avec un téléphone. Mais c'est pas la Visio, tu te branches sur Coco. Oui, mais là je peux plus là. Parce que j'ai fait ça dans l'accueil de l'hôtel. Là je suis remonté en chambre là. Tu veux que je t'envoie une photo? Non, ça va, allez là, je crois que j'ai eu ma dose. Déjà? Non mais ma dose de photo. Si mais non vu... mais je peux t'en... Mais quand t'étais... Remets-toi sur Coco et j'allume la caméra. Attends, je ne peux pas là parce que je suis dans ma chambre, il n'y a plus Coco dans la chambre. Il n'y a plus Coco. Mais non, c'était où? Je te Coco. Je comprends pas tout là. Hein. Bon écoute. Allez. Oh vas-y. Tu sais comment je me branle là? Ah vas-y, j'ai envie de t'entendre jouir. Elle est dure, elle est dure. Ah ouais, je l'ai entendu, elle est bien dure, ta queue. Un peu plus. Ah vas-y. Ah, je t'aurais bien envoyé une photo ou une vidéo, mais tu peux pas. Non, mais j'ai juste envie de t'entendre jouir, ça me suffit, moi. Mais moi je veux t'entendre jouir surtout. Ah vas-y, dis-moi des choses cochonnes alors. Oh des choses cochonnes, je. J'ai envie de te... T'as envie de me... De te baiser de partout, là, devant, vas-y. Derrière. Vas-y. De te laisser la chatte avec ma langue. Ah, vas-y. Qu'est-ce que tu fais, là? T'as mis ton doigt? Ah, j'en ai mis même plusieurs. J'en ai mis trois. T'en as mis trois? Ah, je pourrais pas mettre plus, j'ai que trois doigts. Tu vas bien pour... Tu vas bien pour ça. Ah, ouais. Moi j'ai ma queue bien tendue, le gland il est bien brillant, bien rose. Ah vas-y, branle-toi fort là. Énorme, moi je me branle. Les couilles pleines. Ah vide-les, ça va te faire du bien. Je vais les vider, oui, mais j'attends que tu veux t'entendre gémir, salope. Ah ouais, je suis une salope, ouais. T'es une petite salope. Ah ouais, vas-y, parle-moi mal. Allez, reste. Profond, le plus profond.
bah si, prends-moi profondément. Je me mets à quatre pattes, j'écarte les fesses. Ouh. Ah. J'ai raccroché. Allô. Allô. Qu'est-ce que c'est ça? Je viens de l'espace. Ah, d'accord, tu viens de l'espace. J'ai trois doigts. Oui, bonjour, tu as trois doigts. Il faudrait baisser le bouton à la radio. Oui, baisser le bouton à la radio. Vous avez dû... Ah, merci, merci, merci. Je me suis pris pour E.T. Merci. Hey, je vous annonce que Pamela sera avec nous de retour lundi soir. Ah, pas de problème. On fera une séance supplémentaire. On le rappellera, le Toulousain. Là. Parce qu'on a un nombre de numéros de téléphone. Ils étaient très chauds ce soir. Alors, j'espère qu'ils sont joignables lundi. Et puis, il y a tous ceux qu'on a écoutés tout à l'heure. Donc lundi soir, on prendra un petit moment pour retrouver Pamela. Aucun problème. Parce qu'il est déjà minuit 13, il y a la nocturne qui arrive dans un instant. Donc on va s'occuper du 100% rap français avec Fred.